ici, on est 14. 11 salariés en emploi temps plein. 3 salariés, disons, qui viennent simplement en renfort. Ici, alors, ça dépend des postes, mais la moyenne chez nous, c'est 1000, ils sont entre, ils doivent être à 1480 net. Midi, minuit en semaine, et le week-end, c'est midi et 2h du matin. Ici, on est à peu près autour d'un million d'euros. Parce que j'ai été vers quelque chose qui me plaisait. C'est une création ici. Le commerce, ça me plaisait. Donc, j'ai créé ça. Je suis un peu technicien, donc ça me permet aussi de mettre les mains dans le cambouis, comme on dit. Une entreprise comme ça, il y a toujours quelque chose. La décoration, la genèse du lieu, c'est que mon épouse est à fond là-dedans, elle met aussi sa patte. La restauration, c'est énergivore en masse salariale. La guerre aujourd'hui, c'est la masse salariale dans une entreprise. Restauration, 700 000 euros de chiffre d'affaires, il faut 8 personnes pour le faire tourner. Loisirs, 350 000 euros de chiffre d'affaires, il faut une personne. Il n'y a pas d'achat de marchandises, donc pas de perte. Et moi, je mène ma salariale. En 2014, qu'il est rentable dans le Cantal, alors ce type de loisir peut être rentable, il y a une seule condition, que ce soit une multi-activité. Alors ici, vous avez donc tout ce qui est toute la partie cuisine, d'accord? Alors ici, moi, il n'y a pas de... On va dire qu'il n'y a pas de personne qui s'occupe de la communication. Ça, c'est le grand désespoir. Aujourd'hui, la communication, c'est complexe parce que finalement, on peut faire des campagnes, prendre même des professionnels, mais je ne suis même pas sûr que ça vous atteigne. Un touriste vient dans la région. Il arrive, il veut manger au restaurant, je n'ai jamais eu encore hier, il m'a été surpris de la qualité de ce qu'il mange. Que des produits du terroir ici, on travaille que de la viande, on achète des trains de viande entier, du bœuf à moins de 50 km. Enfin, voilà, ils ont été surpris, dites quand, on ne savait pas. Bon, aujourd'hui, notre communication, on devrait l'axer que sur ça. Le mouling, c'est une activité aujourd'hui qui parle d'elle-même. Mais elle noie un peu le reste. Ensuite, pour répondre, donc il y a la restauration. On a des gens qui font que du ménage, parce que chez nous, on n'a pas entrepris le nettoyage. Mais on a fait le choix d'avoir quelqu'un ici, qui est sur deux emplois. D'ailleurs, elle fait du ménage, mais aussi on lui a proposé à un moment donné de pouvoir faire d'autres choses. Donc cette personne-là, elle fait aussi du service maintenant. Elle fait d'autres choses. Donc elle a commencé avec nous hein, en 2009. Alors, ensuite, il y a la partie technique, où là, il faut être électrotechnicien. C'est la partie bullying. Mais moi, j'ai formé les gens de mon équipe déjà, je crois qu'ils sont déjà formés à ça. Il y a 6 mois, on a refait toute la salle là, on a agrandi de côté, d'accord. Et il y a un autre projet, mais on ne peut pas en parler. Alexis, d'accord. On a fait le choix dans l'entreprise de faire rentrer dans le capital d'entreprise 2 personnes, donc Alex et Alexis. Donc Alex n'est pas là aujourd'hui, mais donc Alexis est rentré dans le capital. Ça sera notre futur repreneur. Et donc il était important pour nous de leur garantir donc ce pacte, ça se passe de la meilleure façon possible. Donc on a décidé de faire un pacte d'associés auprès d'un cabinet notarial, de façon à leur garantir le maximum d'équité. Voilà.